Il n'avait plus chaussé de crampons depuis plus de 10 ans. Pour le jubilé de son ami Olivier Rouillet, Michel Platini a refoulé une dizaine de minutes la pelouse synthétique de Marcel Picot. Nancy était aujourd'hui la capitale du football et du beau jeu. Zinedine Zidane, Christophe Dugarry, Laurent Blanc, mais aussi Yannick Noah ont fait pour La Rouille le spectacle. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas joué sérieusement pour un public comme ça? 10 ans. 10 ans. Et vous le faites pour Olivier parce que c'est, ouais. Parce que c'est Olivier. Ouais, mais bon, s'il y avait moins de monde, j'aurais joué plus longtemps. Et pas d'occasion, vous auriez pu avoir un coup franc ou un frappé comme Olivier a eu son pénalty. Sur lui, il y a une nouvelle règle, ils font plus de coup franc. Les arbitres, ils protègent davantage les joueurs que dans mon temps. De mon temps, ils se faisaient casser, alors il y avait des coups francs. C'est grâce à qui ça? C'est grâce au fait qu'on a un peu changé les règles en 1990 pour faire que le football soit plus beau. C'est quand même génial et j'ai de la chance. Il fait beau, il y a le basket qui est champion de France. J'ai mes potes qui sont là, donc pour le moment tout va bien. Ben, c'était une belle après-midi, super après-midi, bonne ambiance, des beaux joueurs et voilà, c'était bien, vraiment bien, j'espère. Enfin, je pense que Olivier Rouillet peut être content. Ils sont sympas, ils sont généreux, ils m'ont même fait marquer un but, c'est pour vous dire.